Madame la consul générale de France, Madame Feuillet, membre du corps consulaire, représentant du gouvernement du Canada, notamment par Madame Mélanie Joly, ministre du patrimoine, représentant du gouvernement du Québec, représenté par Madame Christine Saint-Pierre, membre du comité exécutif, corps consulaire. Chers amis, nous sommes tous profondément attristés par les événements des derniers jours. Nos pensées vont aux victimes. Par ce rassemblement aujourd'hui, les Montréalais et Montréalaises de toute origine, de toute religion, expriment leur plus profonde sympathie et solidarité envers les proches des victimes ainsi qu'envers toutes les personnes affectées par des actes de violence insensés. Montréal et Paris. Les actes de violence et de haine se sont produits ces dernières heures à Paris, mais ils se sont aussi produits à Beyrouth la semaine dernière et dans plusieurs autres pays au cours des derniers mois. Aujourd'hui, bien sûr, est jour de deuil, mais notre attachement et notre engagement à promouvoir un monde meilleur ne fléchiront pas face à la violence, bien au contraire. Nous ne céderons pas à l'intimidation. Nous allons protéger nos valeurs de démocratie et de liberté. Nous allons faire front commun contre la haine et l'intolérance. Nous allons promouvoir le vivre ensemble. Nous allons conserver nos valeurs d'ouverture et de partage. Nous allons penser aux milliers de réfugiés également qui ont besoin d'aide. Nous allons conserver notre façon d'être. Mes collègues et moi, regroupés au sein de Mères pour la paix, une association de 6900 villes de tous les continents, avons d'ailleurs lancé hier un appel à construire un monde où les gens puissent vivre dans la sécurité et la paix. Solidaires, nous vaincrons. Chers amis, j'ai parlé hier à ma très chère amie et collègue Anne Hidalgo. J'ai parlé également à mon ami Bilal, qui est maire de Beyrouth. Je leur ai dit que Montréal est solidaire, que Montréal allait être de tout instant près d'eux et que tous ensemble, nous allons travailler pour assurer notre propre qualité de vie. Chers amis, aujourd'hui, je suis fier d'être Montréalais. Je suis fier d'être Parisien. Je suis fier d'être Québécois. Je suis fier d'être Français. Vive la France!
que nous allons travailler ensemble pour faire en sorte qu'on puisse tous ensemble célébrer ce que nous sommes et nous le conserverons. Merci d'être ici, chers amis. C'est un plaisir. Solidarité! J'inviterai maintenant la consul générale de France, Mme Catherine Feuillet, à s'adresser à nous. Profondément émouvant de vous voir tous réunis.
tous différents. Merci. Merci énormément. Merci à tous nos intervenants et intervenantes. Je vous invite maintenant à demeurer ici, à fraterniser et à exprimer sobrement et dignement notre rejet de la violence et notre désir de vivre dans un monde de paix. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il dit?